Bonjour à tous, pendant le mois d'août j'ai décidé de faire une petite rétrospective des voitures anciennes et on va commencer par la Citroën Traction. La Citroën Traction est une automobile produite par le constructeur français Citroën de 1934 à 1957. Il y a eu 759 111 exemplaires produits. Son histoire est liée dans la mémoire collective à l'occupation tour à tour voiture de la Gestapo et icône de la résistance. Elle est également le véhicule préféré des gangsters en raison des qualités routières exceptionnelles de son époque. L'innovation de cette voiture, de la traction, c'est d'avoir les roues motrices sur le train avant. C'est pour ça qu'on l'a appelée traction et après traction avant. Construite sur une structure monocoque, avec un poids à vide de 900 à 1380 kg, cette voiture est propulsée par de l'essence, avec des moteurs culbutés, 4 ou 6 cylindres en ligne et un 8 cylindres en V. La puissance maximale de 32 à 77 chevaux, avec une boîte manuelle à 3 rapports. Il y a eu 4 types de carrosserie différentes sur cette voiture, les 7, les 11, les 15-6 et la 22-V8. De grandes nouveautés ont été mises sur ce véhicule avec des freins hydrauliques et une suspension à roues indépendantes sur les 4 roues. Elle a même été utilisée par le gang des tractions. C'est une voiture qui est très recherchée par les collectionneurs. C'est vraiment une très 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 jolie voiture. Moi franchement, quand j'ai découvert les tractions, j'en suis tombé très amoureux au départ et encore maintenant. C'est une voiture qui est vraiment magnifique. C'est vrai que Citroën à cette époque là faisait des voitures d'exception. De 1938 à 1954, ces voitures étaient utilisées aussi pour les rallyes avec plusieurs victoires à leur actif. J'espère que cette vidéo sur traction vous a plu. Et ben, un petit pouce bleu, un petit partage et pensez à vous abonner à la chaîne. La semaine prochaine, il y aura une autre vidéo qui sera mise en ligne sur une autre voiture ou deux autres voitures. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend comment vous regardez la vidéo. Et à bientôt sur ma chaîne.